Et donc salut tout le monde, c'est Mastizo300, j'espère que vous allez tous très bien, car aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 32 de notre playthrough sur Watch Dogs. Et oui, parfaitement, je commence mon épisode dans le vestiaire, ouais, parfaitement. Enfin, dans la liste des tenues, tout simplement pour vous montrer que j'ai débloqué 3 tenues supplémentaires. Oh mon dieu! Oui, parce que rappelez-vous, dans les épisodes précédents, quand je vous avais montré les tenues des tripes numériques, j'en avais débloqué que 2. Alone et Spider Tank, il me semble. Et là, j'ai débloqué les 3 autres. Donc, Conspiracy, Psychedelic et Madness. Enfin, on dit Madness, mais bon, je vois. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, nous allons nous équiper de la tenue Psychedelic. Pourquoi? Parce qu'elle est dégueulasse. Voilà. C'est moche, on est d'accord. Et comme ceci, aujourd'hui, il va être un épisode très court. Puisque aujourd'hui, nous allons nous occuper des téléphones jetables. Voilà. Il y en a 5 d'affichés sur la map, donc 2 dans Broken Dock, 1 dans les Wards et 2 dans Pony. Et un autre dans le Loop qui est ici aussi. Voilà. Que normalement, normalement il n'est pas débloqué, ou alors peut-être qu'il est débloqué. Non, parce que regardez, 2. Donc là, on en avait déjà fait 2, je le rappelle, je vais diffuser, vous inquiétez pas. Mais on en avait déjà fait 2, donc 2 avec cela, encore 2, 4, 6. Attends, c'est complètement débile, il y en a 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ah voilà, 5, 6, 7. Normalement, il n'y en a que 7. Mais, après, il y en a un autre de les bloquer, et le 8ème qui est ici, voilà. Oui, parce que moi, je l'ai fait une première fois, mais malheureusement, comment dire, j'ai eu un petit problème, donc du coup, j'étais obligé de recommencer l'enregistrement, c'est génial, voilà, bref. D'ailleurs, en parlant d'enregistrement audio, on va tout de suite écouter celui-là. Donc, vu que je suis le fantôme de Rekeni, juste parce que j'ai hérité de son bureau, j'ai droit à toutes les sales histoires à son sujet. Une collègue est venue me raconter une de ses fameuses sales histoires. Bref, j'ai failli péter un plomb après 2 semaines. Mais un jour, j'ai réalisé quelque chose. Ray avait prévu tout ce qui allait se passer. Impliqué comme il était dans le CityOS, il avait commencé à entrevoir le potentiel réel de ce qu'il avait construit. Comment je le sais? Parce que le vrai fantôme de Rekeni hante toujours le système. Il savait que seul un autre ingénieur pourrait le trouver. Quelqu'un opérant au même niveau que lui. Youpi! Ça veut dire que je suis pas trop bête, en fin de compte. Oui! Allez, hop, on sort. Et je vais tout de suite vous faire écouter les enregistrements audio. Les 2 enregistrements audio de notre cher. Je sais plus comment il s'appelle, c'est enregistrement audio ici, voilà. De notre cher. Maurice Vega. Oui, parce que c'est ses enregistrements à lui qu'on va écouter. Voilà, donc je vous repasse le premier, celui qu'on avait eu au tout début quand on l'a buté. Enfin, qu'on lui a foutu un coup de matraque dans la gueule. Bon, voilà, je vais pas vous dire allez à l'épisode 1 pour écouter cet enregistrement. Non, je vais pas faire mon connard aujourd'hui, je vais vous le passer directement. J'en peux plus de cavalier, putain. J'en peux plus. Tout ça à cause de Londres et de Spears. J'ai tué sa nièce et il n'arrêtera pas avant de m'avoir retrouvé. Et qui sait, ce mec, qui sait? La semaine dernière encore, j'étais l'homme le plus heureux du monde. Grâce à elle, Abigail, mon ami, était mon nouveau départ. Elle connaissait mon passé, et elle m'aime quand même. Et là, coup de téléphone, je lui avais dit que j'allais raccrocher, mais ce type ne laisse jamais partir. T'auras beau payer ta dette 100 fois, ils continueront à t'appeler. Mais là, je peux plus. Voilà, donc, du coup, maintenant, c'est parti. Il y a un crime à proximité, mais on s'en bat les steaks. Quoique, non. Ah, je sais pas. Ce qu'il y a, c'est que j'ai un truc... Bon, allez, on va aller faire vite fait. J'ai un truc aussi à vous parler. Vite fait, bien fait. Car, non, je vais pas commander celle-là. Hop, voilà. Hey, la livraison est arrivée. Oh, la vache. Allez, loin.
Comme vous avez pu remarquer au début de l'épisode, il y a eu l'intro de Gammoniac. Oh mon dieu! Oh mon dieu, oui, je suis passé par là avec Gammoniac, parfaitement, et grâce à ça, je vous offre un code de réduction que vous avez pu voir aussi au début de la vidéo. 7€ de réduction, voilà, lors de votre inscription. À utiliser qu'une fois, hein, c'est pas... Voilà, enfin, je vois pas pourquoi vous réinscrivez... Vous réinscriveriez, pardon, 3-4 fois, ça servira à rien, quoi. On s'inscrit une fois, c'est tout, voilà. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Gammoniac, eh bien, c'est tout simplement un site d'échange de jeux vidéo. Je vous explique, c'est simple. Vous vous inscrivez et vous avez 3 formules. Une à 9,99€ qui vous offre un jeu par mois, voilà, et au bout de 30 jours, vous renvoyez le jeu en question et il vous en renvoie un autre, voilà. En fait, vous recevez un jeu de la part de Gammoniac et il vous envoie un autre tout de suite après, enfin tout de suite après, dans un délai de 3 jours peut-être. Et ça, je trouve ça génial. Ensuite, vous avez la formule à 19,99€, vous avez un jeu. Joue avec ta vie, mec, ou ça vous aurez pas compris. Voilà. Je me suis fail. Donc vous avez la formule à 19,99€ où vous avez un jeu pendant un temps illimité. C'est-à-dire que vous recevez le jeu, vous pouvez le speedrunner. Le speedrunner, c'est-à-dire le faire d'un coup, comme ça, hop. Le maraver comme un porc, en fait. Voilà, donc vous pouvez jouer un jour, deux jours, trois mois, quatre mois, deux semaines, une semaine, n'importe. Et vous l'envoyez, et il vous en renvoie un autre, voilà, tout simplement. Et il y a une formule aussi, 29,99€, bon après je pense que c'est pour vraiment pour les hardcore gamers. Donc à 29,99€. Où là vous avez carrément deux jeux. Voilà, pour un temps illimité. Donc ça revient à la même formule que 19,99€. Sauf que là vous avez un jeu en plus. Voilà. Donc du coup c'est lors de cette inscription que vous allez eh bien entrer le code Masti0300. Et après je sais plus la suite. Mais je sais qu'il y a un 7 à la fin pour avoir 7€ de réduction. Voilà, donc par exemple, si vous prenez... ah oui, j'ai oublié de préciser. Le coût de l'inscription, c'est 35€, sauf si vous envoyez à Gammoniac un jeu sorti récemment. Donc moi, je sais par exemple que si je veux m'inscrire, j'ai juste à finir Watch Dogs. Et puis je le renvoie, comme ça je paye que 9,99€. Voilà. Parce que je pense pas que mon code marche pour moi-même, à moins que, je sais pas, je vais essayer, on sait jamais. En bref, voilà, c'est lors de cette inscription en question que vous, eh bien, saisissiez le code, bien entendu. Vaut mieux vous lui envoyer un jeu neuf, parce que 35€ frais d'inscription, c'est un peu hard. Donc du coup on va dire que vous leur envoyez un jeu neuf que vous payez pas 35€, vous choisissez la formule à 9,99€ et donc vous saisissez le code promo Masti0300 je ne sais plus quoi avec le chiffre 7 à la fin, et donc ça vous fait 9,99€ moins 7, 2,99€, voilà, et je pense que ça vaut vraiment le coup pour ceux qui jouent beaucoup, voilà. Donc sur ce c'est tout ce que j'avais à dire. Je tenais aussi à remercier un ami parce que faut savoir que moi je suis pas du tout le genre de mec à chercher des sponsors et des trucs du genre. Et c'est un ami qui a une chaîne YouTube d'ailleurs, elle sera dans la description. Un ami qui se nomme Notex, qui m'a parlé de ça sur Steam, il m'a dit « Quand j'atteindrai les 300 000 abonnés, 300 000 bien sûr, les 300 abonnés, je passerai partenaire avec Gammoniac. » Je lui dis « Attends. C'est juste 300 abonnés qui demandent ? C'est pas le nombre de vues, etc. Non, c'est juste 300 abonnés. D'accord, bah je me suis dit, pourquoi pas tenter ma chance. Et puis c'est passé. Enfin, j'ai 700 abonnés. Donc, en même temps, si ça passe pas, c'est qu'il y a des problèmes. Enfin, sur ce, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc merci, Motex, pour cette petite information. Je voulais juste sortir de tout ça, c'est tout! On va partir de zéro!
censé être un boulot facile. Un labo à l'ouest de la ville, perdu quelque part. L'endroit était désert. Pas un gars, pas une lumière. Le noir complet. J'ai pris la zone avec mes jumelles. Toujours rien. Mon partenaire couvrait le sud. On est resté là au moins 3 heures sans voir autre chose qu'une lumière. D'un coup, il commence à ranger ses affaires. Il dit que le job est terminé. Là, je me dis, merde, j'ai foiré. Il enchaîne en me disant que ça s'est mieux passé que prévu. À notre retour, il nous filait 200 dollars de bonus pour la qualité de mes services. Non mais ils se foutent de qui ces mecs? Comment tu veux croire des types comme ça? C'était ma carte, sortait de prison sans payer.
types ont complètement détruit Maurice. Pas étonnant qu'il ait rien dit. Il lui avait déjà fait le pire. Il n'a plus rien maintenant. Ça change pas ce qu'il a fait. Et je me demande si ça avait été Nikki. Est-ce que j'aurais fait la même chose à sa place ? Succès déverrouillé, garde-fou. Oh yeah. Comment ça, je le dis trop tard ? Non mais... non mais je vous permets pas ! Eh, soyez déjà heureux que je vous ai laissé lire tout ça, ok ? Maintenant on va se calmer, et on va se laisser surtout. Bande d'ingrats. Voilà, enfin bon bref. Je ne sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo, peut-être 10 minutes ? Non, parce que... Non, par contre, celle-là, elle va être très courte, pardon. Je m'en excuse d'avance, mais bon. Faut vous attendre à ça, parce que dans le prochain épisode, nous ferons... Donc là, on a fait quoi, là ? On a fait... Voilà, et Téléphone Jetable, on a d'ailleurs débloqué une voiture... De merde. Mais il faut pas le dire. Alors qu'est-ce qu'il y a à faire ? Portée disparue. Je pense qu'on va faire ça demain. Vendredi, c'est-à-dire. Je dis demain, mais c'est vendredi, je suis tellement con, moi. Non, ouais, vendredi, on fera... Je pense qu'on fera ça, ouais. Portée disparue. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà, il y en a 7 à faire. Donc bon, ça fera aussi une vidéo courte. Je m'en excuse, mais bon, voilà. Et puis la semaine prochaine, je ne sais pas ce qu'on fera, nous verrons bien. Ce sera la surprise. Enfin, même si j'ai une petite idée personnellement, mais bon. Je ne vous dirai rien parce que je suis un gros bâtard. Voilà. Donc sur ce, nous, on va se laisser là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. À vous abonner si vous le suivez dans cette prodigieuse aventure. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, les liens sont dans la description. Et donc nous, on se dit à vendredi, même heure, même endroit pour la suite du playthrough. A ciao tout le monde, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas, mangez de la choucroute, parce que la choucroute, c'est la vie. Non, j'en sais rien en fait. Non mais, enfin, ou mangez de la raclette, c'est bon la raclette aussi. Ou mangez McDo, c'est bien aussi McDo. Hey, c'est à toi que je bats. Hey.